Du 8 au 15 mai, le pape effectuera sa visite en Terre Sainte. Le bureau de presse du Saint-Siège vient de l'annoncer officiellement. Bienvenue sur le site H2O News, premier service d'information catholique à l'échelle mondiale. Ce site réalise et diffuse chaque jour en 9 langues des nouvelles sur la vie de l'Église et sur des événements sociaux et culturels concernant directement la vie des catholiques dans le monde. En surfant sur ces pages, vous découvrirez des reportages, des interviews, des dépêches audiovisuelles ainsi que des enregistrements audio. Les sujets sont divers. Déclaration du pape Benoît XVI, actualité du Vatican et de l'Église du monde entier, ou bien encore lecture d'un événement à la lumière de l'Évangile. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. L'objectif de ce site, donner à toutes les réalités catholiques du monde la possibilité de faire entendre leur voix. Ce site internet répond à l'invitation du pape qui souhaite que les moyens de communication soient au service de l'évangélisation. Totalement gratuit, H2O News offre ce service aux télévisions, au site web ainsi qu'aux radios catholiques. Son nom H2O News est inspiré de la formule chimique de l'eau, élément essentiel à la vie. Ainsi, H2O News se veut être une information rénovatrice qui jaillit de la source pure de l'Évangile. Autre but de ce site internet, être une sorte de YouTube catholique. En effet, chacun peut déposer ses propres vidéos et les meilleures d'entre elles pourront acquérir le statut d'information et être diffusées par les télévisions. Alors, si vous souhaitez être à la pointe des informations chrétiennes, n'attendez plus pour surfer sur H2O News.